Vocal Negra, Vocal Negra, Vocal Negra. Bienvenue les rois et les reines. Merci beaucoup pour vos likes, vos commentaires, vos pouces j'aime. J'adore. Continuez surtout et faites passer le message. Voici une petite bulle d'inspiration où je réponds à cette question. Le chant est-il un don? Peut-on travailler pour s'améliorer si jamais on croit qu'on n'a pas de don? Mais bien sûr qu'on peut, on peut toujours s'améliorer. Et mais bien sûr que le chant est aussi un don. Certains enfants naissent, t'as l'impression qu'ils sortent du ventre de leur mère et tout de suite, oh, leur premier cri, c'est juste, c'est beau, c'est plein. Ils sont nés comme ça. Et certains autres apprennent à aimer la musique, à être touchés par la musique et se dire, tiens, j'aimerais tellement m'exprimer à travers la musique. C'est un chemin qui est différent, mais c'est un chemin qui est tout aussi beau et qui donnera des chanteurs très différents. Dans mes cours, j'ai des élèves qui ont l'oreille absolue et ils passent un temps infini à apprendre l'émotion absolue. Et j'ai des élèves qui ont l'émotion absolue, mais qui ont des problèmes de justesse, par exemple. Ce qui est important, c'est vraiment de savoir qu'en termes de musique et de chant, tous les chemins mènent au même endroit, l'excellence, si on répète, répète, répète. Certains chanteurs se disent « Oh, c'est bon, je chante juste, je vais y arriver. » Puis ils arrivent sur scène, ils chantent, on n'a pas les frissons. D'autres, ils vont sur scène, ils chantent un peu faux, mais oh, tout le monde est en larmes. Alors, ce que je conseille aux uns comme aux autres, c'est de faire de ce don que vous n'avez pas un don que vous allez faire aux autres. Si jamais vous n'avez pas le don de chanter, eh bien, faites le don de vous-même, de votre personnalité, de votre beauté, de votre émotion à l'autre. Et comme vous faites ça pour le public, vous allez travailler sans relâche. Travailler sans relâche, c'est travailler sur son mental, se cultiver, apprendre à s'aimer, faire ses vocalises, écouter des musiques différentes, s'enregistrer pour entendre soi-même si on a progressé, accepter surtout par-dessus tout la voix qu'on a. Si vous êtes soprane, n'essayez pas de devenir contralto de grâce, mais améliorez-vous. Apprenez à étendre votre voix petit à petit pour avoir les accents que vous aimez chez les contralto. C'est pas là, c'est pas les notes que vous aurez. C'est l'émotion qu'on cherche. Quand on aime un chanteur, c'est pas la note qu'il atteint qui nous touche. C'est l'intensité avec laquelle il le fait. Donc, vous allez pouvoir y arriver dans votre tessiture. Vous allez arriver à faire que vos notes soient plus rondes. Certains ont des petites voix au début des cours, des petites voix toutes plates, qui donnent un style aussi. Et puis, ces petites voix toutes plates, elles s'améliorent. Moi, je me souviens quand Vanessa Paradis, quand elle a commencé, qu'elle chantait « Tu as le taxi » avec une petite voix toute mignonne, toute plate. Quand on l'écoute chanter maintenant, vous voyez comment sa voix s'est amplifiée, s'est arrondie. Elle n'aura jamais la voix d'une Adèle parce qu'elle n'est pas contralto. Mais sa voix a énormément progressé. Quand on écoute la voix de Céline Dion quand elle a commencé, c'était déjà une voix formidable. Mais quand vous l'écoutez quelques albums plus tard, waouh! Donc, évidemment que vous allez pouvoir y arriver. Mais Maria Carré, pareil! C'est extraordinaire! Toutes les voix progressent. Ne vous dites pas, ah oui, mais elle c'est formidable. Écoutez attentivement. Écoutez attentivement avec vos oreilles et avec votre cœur. Et pour vous, c'est pareil. Écoutez-vous attentivement.
Écoutez attentivement ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Ne vous dites pas aujourd'hui, je vais foncer dans les aigus. Si aujourd'hui vous ne pouvez pas le faire, acceptez-le. Chantez là où vous êtes à l'aise. Arrosez ce qu'il y a de beau chez vous. Et faites-vous le don à vous-même de faire pousser votre plante de plus en plus à partir de ce que vous avez. Certains naissent avec une voix toute petite. Elle va pouvoir s'élargir. Pas forcément comme ça, mais si elle s'élargit comme ça avec beaucoup d'émotion, vous imaginez comment ça va être beau. Je compte sur vous les artistes. Arrosez ce qu'il y a de beau et faites don de votre don ou du don que vous croyez que vous n'avez pas parce que vous allez travailler vers l'excellence. À bientôt les rois et les reines. Vos collègues, vos collègues, vos collègues.